sommes en direct de la Johan Cruyff Arena donc, et on a hâte que le spectacle commence. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match dans quelques instants. Le coup d'envoi de cette rencontre de championnat, les Pays-Bas face au Canada. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la pensée. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Voyons le 11 qui va démarrer pour les Pays-Bas. Le 3-5-2 dépend du travail des latéraux ou des pistons, comme on dit. Ce n'est pas une tactique. Oh, c'est bien joué, ça! Et quelle parade de la gardienne! Un très bon arrêt, très tôt dans le match. Pour l'instant, toujours 0-0, mais c'est parti très fort. Jackie Grenon. Ah, il faut lui proposer des solutions, là. Ah, il faut qu'elle prenne sa chance, là. Oh, c'est contré! Wittema. Avec une bonne progression dans le camp adverse. C'est contré! C'est une perte de balle pour Canada. Et la pression pour empêcher la relance. Il y a du soutien en attaque. Et oui, le bon réflexe. Corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Voilà, ça c'est un bon centre. Et non, ça passe au-dessus cette tête. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Snowhuis. Et maintenant Martens. Peut-être l'occasion de mener au score. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Grosso. Bien joué dans le dos de la défense. Là, il y a un coup de sifflet, c'est un hors-jeu. Un ballon rendu à l'adversaire. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et attention à cette perte de balle proche du but. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. Oh, les mains dans la tête. Elle est bien pressée là-dessus.
Martens. Grenen. Eh oui, c'est dangereux. Eh bien joué la gardienne, elle sauve son équipe. Le centre dans la surface, il y a du monde. Et le centre n'arrive pas à destination. Martens. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Prince. Jackie Grenon. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Ah bien joué dans la profondeur. Vente de don. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et attention à ce centre. Ah oui, il y avait de l'intention là, mais c'est raté. Et une occasion de contre à négocier. Eh, bien donné ce ballon. C'est un ballon intéressant ça. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Snowhuis. Jackie Grenon. Ça arrive pour rendre donc. Et le geste technique très bien exécuté. Une minute d'arrêt de jeu. Julia Grosso. Et belle passe en profondeur. Allez, il faut bien exploiter ce ballon. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Et bien fait, attention à l'occasion. Mais quelle occasion énorme d'égaliser, quel gâchis. Qu'est-ce que c'est frustrant, hein, de passer à côté d'une belle
occasion de se réjouir. Gilles Roorde. Ballon pour Martens. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Il y a un contre possible à jouer là. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Martens. Oitema. Bam, la frappe. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. C'est donné en retrait. Eh, bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Un bon corner pour revenir au score. Arrêt de jeu, et donc l'entraîneur effectue un changement. Le corner bien tiré, et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Le ballon sort, c'est une touche. Et c'est donc une sortie de but. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Quinn avec Fleming. Prince. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Elle la fera peut-être pour égaliser. Et le ballon qui est bien écarté. Et le remplacement peut avoir lieu. Allez, bien frappé ce corner. Le ballon passe finalement très près du poteau sur cette reprise de la tête. Van Domselaar. Katias Noeys. Jesse Fleming. Ah, le contre est possible. La circulation du ballon pour déstabiliser la défense. Quelle intervention, et le ballon qui est mis hors de danger. Loin de comprendre, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Un corner qui est bien ajusté. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Ballon pour égaliser. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Perte de possession là. Roorde. Tamari Segurola. Pedova. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Daniel Van de Donk. Ah, vers la surface. Le centre part bien. C'est bien joué. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et attention, ça concède le corner. Le centre dans la surface. Il y a du monde.
Ah oui, quelle occasion et quelle parade! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Non, ça ne passe pas, le ballon est contré. Nawen. Tamari Segurola. Eh, la grosse intervention là. Pelova. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Eh oui, c'est dangereux. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Quel ballon dans le dos de la défense. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Bernstein. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Le bon crochet vers l'intérieur et la frappe part bien et la belle parade là. La frappe vient taper le cadre avant de sortir. C'est dommage, la finesse aurait été la meilleure conseillère. Plus personne dans le but. Frappe puissante juste à côté. Minimum de temps additionnel. L'égalisation est encore possible, il faut évidemment y croire sur cette dernière action. Oh, l'égalisation peut-être. Pouh, la parade. Incroyable égalisation évitée de justesse. Toute son équipe va l'inviter à dîner après le match. Là, le corner bien tiré. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ah, c'est bien parti. Et le ballon qui est bien écarté. Et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable. Et le ballon vers la surface de réparation. Oui, la parade. La fin du temps réglementaire et c'est donc une défaite concédée loin de ses bases. Une défaite d'un tout petit but dans ce match. C'est dire comment les deux équipes étaient proches. Et maintenant Martens.